tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Venture. Je suis en tête de nouveau set de pièces sur Roger dans l'événement. On va faire plusieurs séries d'événements, plusieurs combats en event sur Kaido. On va voir ce que ça va donner. Bon là, le niveau pas très. Et on verra déjà si je vais arriver en top des gars. Là c'est le bon élément, il est du type bleu, moi je suis de type vert, donc les dégâts normalement devraient être bien à 30. Ils devraient être au maximum. Donc je joue avec le set barbe. Qu'est-ce que j'ai barbe non non, du coup avec le set Boundman, Gold Roger, niveau 9, niveau 8. Et si je ne dis pas de bêtises, la dernière c'est celle de Kawamatsu qui est niveau 9 également, qui me donne un total de 35% de critiques supplémentaires, 12% en défense et plus 160 en attaque supplémentaire. Donc je suis au total à 700 en attaque supplémentaire en coup critique. Donc vous le savez à peu près. Oula, un petit coup de lag. Donc 22k, là je suis à 22k, c'est pas mal, c'est assez correct. Donc là j'augmente mes dégâts grâce à la compétence que je viens de lancer et je fais ça. Normalement là je devrais lui mettre un maximum de dégâts avant que mon que le truc s'enlève. Ok, je suis à 60k sans avoir subi de dégâts, donc n'oubliez pas que la compétence 2 chargée au maximum quand il subit des dégâts renvoie les dégâts sur 30%. Et je gagne enfin plus 30% de dégâts supplémentaires également. Et du coup c'est un avantage très bon. Bon là c'est vrai qu'avec ce set il est pas ouf de fou. Le mieux c'est de jouer avec Luffy Law, pièce de Luffy Law. Boundman et la dernière, une autre carte de Luffy, enfin une autre pièce de Luffy. Qui plus est, j'ai toujours pas maxé l'arbre de compétences, j'arrive pas à drop cette boost, ou je sais pas comment vous l'appelez, mais voilà, le boost de tank, de bouclier. Oh là là, la caméra qui focalise pas là, qui cible pas. C'est moi ou il bug? Il était bloqué, il faisait que courir dans le vent. Ok, nice, les deux ils sont KO. Ouais, ma caméra elle bug un peu là, c'est un désavantage pour moi. Avant qu'il... Ouais, c'est bon. Bah, en vrai, 45k là, parce que c'est double... J'ai balancé deux attaques, en fait. J'aurais pas dû esquiver. Ça va, non. J'étais pas dans son rayon d'attaque, donc à l'aise. 25k. 45 secondes. En vrai, ouais, c'est bon. On le finit dans les 5 prochaines secondes, normalement. Nice, c'est moi qui le termine. Bon après le rang du perso est très bas. Le rang du perso est très bas, donc niveau 13 normalement. Bah voilà, j'ai carry. Comme fallait s'y attendre, j'ai carry. Du coup là j'en ai drop 3, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas celui-là que je veux, bon c'est pas grave. Bon après j'ai complété, j'ai mis à fond le truc. Du coup on va enchaîner sur un deuxième. On va enchaîner sur un deuxième en espérant qu'ils nous mettent tout simplement un niveau plus élevé. Enfin un rang plus élevé, ça serait bien un petit niveau 19-20. Pour voir si je pourrais carrer ou pas. Du coup là normalement... Ouais niveau 17, ça va, ça c'est correct. Là le seul problème c'est qu'on joue avec des débiles. Il y a moyen qu'on le rate hein,
Parce qu'on joue avec un débile qui joue avec des unités rouges sur un élément bleu. Donc ces dégâts sont fortement réduits. Donc je me suis focalisé en vrai sur les dégâts et les critiques. Et pas sur le... Enfin, pour le moment, pas sur le cooldown de mes compétences. Le cooldown, ça veut dire la recharge de compétences plus rapide. Donc je dois avoir pas plus de 28%. Enfin, 28%, c'est un peu élevé. Ok, je suis à plus de 50K. Avec ça, ok, 7800 avec le boost, ça c'est assez correct. On a déjà enlevé sa garde, une barre de vie enlevée également. Ok, le boss qui intervient, il reste plus qu'une barre, enfin plus que deux barres du coup. Faudrait que... Ouais, c'est bon, quelqu'un allait le capturer. Il faudrait qu'on récupère le boost. Si c'est un boost d'attaque, ça serait cool. Ouais, on va les récupérer. Parce que je sais que mes mecs l'ont pas. Wow, le one shot au pire moment. Je me suis retourné, j'ai pas vu qu'il allait attaquer. Du coup, on reste sur Barbe. Sur. Qu'est-ce que j'ai barbe, sur Barbe Blanche, non. Sur Roger. Pas bouger du truc, faudrait le faire sortir. Ça serait bien qu'ils attaquent, qu'il attaque en dehors. Ah ouais, du coup il est invisible. Ok, encore le fameux bug de l'invisibilité. On kiffe ce jeu, hein. J'ai même pas, en fait j'essaie d'attaquer le gars mais je trouve pas. De toute façon on va se focaliser sur lui. Je pense pas qu'on va réussir. Comme je vous le dis là, le problème c'est que on a un Snake Man qui va faire pas tant de dégâts que ça. Donc il y a des éléments rouges. Ok, ah il est invisible, ouais. Moi je préfère me focaliser sur lui que sur Kaido pour le moment, parce qu'après s'il nous restera toujours quelques secondes. Bon, je pense pas qu'on va le réussir. Je charge à fond. Du coup on capture. Ouais, il arrive dans les 15 dernières secondes, c'est un peu débile, hein. Il faut lui enlever combien là? Ok, lui je le bute déjà, c'est pas mal. 10 secondes pour enlever une barre. Il est où? Non, et oui. Le problème c'est que il joue déjà. Tu joues pas avec un Zoro qui est sorti à la qui est sorti au début du jeu, et tu joues pas avec des éléments rouges sur un élément bleu, tu vois, et encore moins un type tank. C'est complètement débile ce qu'il a fait. Donc ouais, du coup les deux premiers bien sûr c'est les deux Roger, il m'a battu de 900, et les deux derniers forcément c'est ceux qui ont des unités et des dégâts à contre-type. Ok. Du coup, on va faire un dernier effet. Petit dernier effet. Donc, je monte 2608e du classement. C'est pas mal. C'est correct. On va continuer à jouer avec des randoms. En espérant qu'on tombe pas avec des gens qui jouent des éléments rouges. Du coup.
Dernier essai. Voilà, élément rouge encore. Que des éléments rouges, excepté le dernier. Mais je pense pas qu'il est niveau 100. Ce qui fait que c'est fort probable qu'on le perd encore. C'est ça le problème. C'est que dans ce mode de jeu, quand on joue avec des randoms, c'est des... Excusez-moi du terme, mais c'est des trous du cul. Hein. Réellement, c'est des gros trous du cul. Tu joues pas Zoro type rouge sur un élément bleu. Un élément débile. En plus, il est niveau 19. Pas comme si j'avais le meilleur set du monde. Prends 3K, c'est pas mal. 10K, ok, c'est pas mal. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de dégâts, mais c'était juste pour réduire sa garde. Pour réduire sa garde, c'est pas mal. Je veux bien qu'il crée des nouvelles unités qui permettent justement de. Qui seraient spécialisées pour la brise garde en fait. Ça serait pas mal ça. Bon, je vais enlever une petite barre. C'est correct, plus que 3. Faut récupérer le petit boost, ça serait cool. Je m'éloigne, j'ai pas envie de prendre ces dégâts. On va attaquer sur vous. Ok, nice. Oh là là. Cette partie là de la vidéo va prendre un peu de temps. Va prendre plus de temps vu que les niveaux 19 et qu'on joue avec des éléments bleus et rouges. On joue avec des full éléments. Des full éléments verts. On va le capturer du coup vu qu'ils sont tous les deux sur le point, faudrait les dégager. Nice. 1 minute 34 pour enlever 3 barres, on va le rater, c'est sûr à 100%. J'enlève sa barre. Je récupère ça. Ouais, je pense pas qu'on va le réussir en vrai. Enlève sa brise garde également. Faudrait capturer s'il vous plaît. En plus là les deux sont regroupés, ils sont vraiment loin. Il reste combien de temps? En vrai ouais, c'est faisable. Ok, nice, on l'a battu Drake. J'espère qu'il va pas me focus. Ça va, il m'a pas enlevé grand chose. Wow, réellement. Wow. Faut que je récupère ce petit truc, ça va me mettre bien. Ok, nice. Ok. Normalement on devrait le faire, même si c'est très limite. Ok, nice. D'une seconde les gars, vraiment d'une seconde. Donc 12K, après oui j'ai du carry sur ça. Ouais, j'ai du carry, impeccable. C'était limite, hein. C'était vraiment très très limite. Donc en vrai c'est un bon set, même si parmi toutes mes cartes, tout mon set de pièces, il y en a une qui est niveau 8 au lieu d'être niveau 9. En fait, j'attends la fin de l'event qui se terminera dans 18h là, pour tout simplement la mettre 9 étoiles et la maxer en termes de dégâts bruts. Du coup, 12K, c'est assez correct. En vrai, c'est bien débrouillé pour un type rouge. Les niveaux 50.
Niveau 50, normalement lui il a dû finir dans le top classement. Du coup, c'était juste la petite vidéo. La petite vidéo event spéciale. 9000 points. Ok, je passe à 400 000. Et combien dans le classement? 2425e. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est correct. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Le tirage au sort sera fait en live, les amis. Et on se retrouve donc ce soir aux alentours de 18h, 18h30 pour le live. Sur ce, peace, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao!